cette semaine, session passage de garde ouverte, garde débutant. Donc, ici, moi, ce que je leur redis, c'est contrôle le genou, les coudes et avant-bras proches du partenaire. D'accord? Si je mets de l'espace, je donne la possibilité au partenaire de rentrer spider, lasso, peu importe. D'accord? Si j'ai les coudes serrés, mieux. Quoi, plus difficile pour lui. Les jambes éloignées, pareil, pour pas qu'il rentre de la riva, des X, etc. D'accord? Ici. Après, passage de garde basique. Hein. Main à la hanche. L'avant-bras vient contrôler sa cuisse. Pas chassé. Pique la tête. Et il vient couler. Ici. Donc, pas sur la position. Coller. De coller, jambes loin, main à la hanche, décalage en pas chassé, pression avec la tête, le pouce du ressort. Deuxième passage donc de garde ouverte pour les débutants. Première année toujours, première année, deuxième année après. Là on est sur, on va faire du leg drag mais basique, d'accord pour avoir. Donc deux mains sur une, bien insister sur le coup de bassin, d'accord pas. Pensez que c'est que les bras qui travaillent ou que le bassin, d'accord? Il faut vraiment insister sur ça parce que souvent après en technique ils vont faire 1, 2 et après en combat ils vont arriver. Ça marche pas, d'accord? Donc vraiment insister sur coup de bassin. Coup de bassin, boum, d'accord? Je fais un rebond et je repars en arrière pour libérer cette jambe. Si je fais juste ça, cette jambe-là elle est encore là, d'accord? Hop, hop, et je recule un petit peu. Et après, je vais enclencher mon leg drag. Tibia qui écrase la cuisse, le pied reste à l'extérieur. Je viens enfermer sa jambe au-dessus du coude, du genou. En dessous. Si je laisse le genou libre, il revient. Genou pris. Connexion coude-genou, moi j'aime bien dire. Une fois que je suis là, contrôle au niveau du dos. Coude fermé, et je viens pivoter. Bam. Et j'éclate. Je colle. D'accord? Ici. Boum. Boum, boum. Petit pas de recul. J'aspire. Je suis. D'accord? Je la mets bien en diagonale. Je suis. Je capture la jambe. Contrôle. Et je glisse. Voilà, donc pareil en deux séquences. Première fois, tu l'as fait passer juste sur le premier passage. Deuxième fois, deuxième passage. Après 5 à 10 minutes. Voilà.